Quoi prouve-t-elle? Famille du médicament, association d'antihypertenseurs. Dans quel cas le médicament quoi prouve-t-elle est-il prescrit? Ce médicament est un antihypertenseur qui associe deux substances. L'irbesartan, un inhibiteur de l'angiotensine 2. Il bloque l'action de l'angiotensine 2, une substance naturellement présente dans l'organisme, responsable d'une contraction des artères qui augmente la pression artérielle et fatigue le cœur. L'hydrochlorothiazide, un diurétique dont la structure chimique est proche de celle des sulfamides. Son action renforce celle de l'irbesartan. Elle est utilisée dans le traitement de l'hypertension artérielle. Mode d'emploi et posologie du médicament. Ce médicament peut être pris indifféremment au cours ou en dehors des repas. Posologie usuelle. Chez l'adulte, un comprimé par jour. Les contre-indications du médicament. Ce médicament ne doit pas être utilisé dans les cas suivants. Allergie aux sulfamides, insuffisance hépatique grave ou obstruction des voies biliaires, insuffisance rénale grave, hypokaliémie grave, excès de calcium dans le sang. Fertilité, grossesse et allaitement. Pour la grossesse, l'effet de ce médicament sur l'enfant à naître pendant les 3 premiers mois de la grossesse est mal connu. Par prudence, son usage est déconseillé. Au cours des 6 derniers mois de la grossesse, une prise prolongée de ce médicament peut altérer les reins du fœtus. Son utilisation est contre-indiquée à partir du 4e mois de la grossesse. En conséquence, un désir de grossesse nécessite le remplacement de ce médicament par un autre antihypertenseur. Si une grossesse survient alors que vous prenez ce médicament, consultez rapidement votre médecin pour qu'il modifie votre traitement. Pour l'allaitement, en l'absence de données disponibles, l'utilisation de ce médicament est déconseillée chez la femme qui allaite. Les effets indésirables possibles du médicament. Vertige, fatigue, nausées, vomissements, diarrhée, émission d'urine anormale, gonflement des extrémités, bouffée de chaleur. Étourdissement dû à une hypotension orthostatique, augmentation du taux d'acide urique dans le sang et exceptionnellement du calcium, baisse du taux de potassium associé au non-adécrompe.